Bonjour, donc bienvenue, vous êtes ici au domaine Alexandre Roth, au cœur du vignoble de Tavel, où je produis 5 hectares avec des vins différents, disons, sans intrants. Donc je m'appelle Ambre Delorme, je suis co-gérante au domaine de la Mordoret avec ma maman Madeleine. Nous avons un domaine familial qui a été créé en 1986 par mon grand-père et mon papa. Aujourd'hui 60 hectares de vignes certifiées en biodynamie Déméter, en bio, et l'exploitation est certifiée HVE. Bonjour, Florian, vigneron au château de Manicy sur la commune de Tavel. Le domaine se trouve à l'extrémité du village. Particularité, c'est un domaine qui fait 50 hectares en agriculture biologique et en biodynamie. Une des cuvées phares, c'est la fameuse tête de cuvée, méthode des pères missionnaires, ancien propriétaire du château. Saint-Avel a élevé en barrique. Saint-Avel qui vieillit relativement bien. Je me présente, Gaël Petit. Le nom du domaine, c'est Domaine Moulin-la-Vigrie. Qui produit essentiellement du Tavel, de la manière la plus simple possible. Séverine Lemoine, je suis la vigneronne du domaine La Rocalière qui est située à Tavel, dans le Rhône Sud. Je travaille sur deux appellations, Tavel et Lirac. Le domaine est en agriculture biologique depuis plus de 10 ans et nous avons la certification Déméter depuis le millésime 2020.